Kandé, qui aujourd'hui est un fruiteur modèle au sens large du terme, parce qu'il fait presque toutes les spéculations possibles au niveau de cette zone. Pour cette campagne agricole, vous voyez, il a fait une vingtaine d'hectares de riz, aussi bien au niveau du bassin de la Nambé, mais aussi au niveau des vallées de son village, où il a eu une excellente production. En même temps, il a également fait une trentaine d'hectares d'arachides, et vous avez même constaté la quantité énorme d'arachides qu'il a eu, et ensuite le sous-produit d'arachides qui aujourd'hui est tellement valorisé au niveau du marché sénégalais que c'est devenu une denrée très prisée. Il y a également le maïs, il a fait une quinzaine, plus de 15 hectares de maïs. Donc nous sommes là aujourd'hui aussi pour voir cette forte mécanisation qui a été mise en place par le professeur, par le ministre de l'Agriculture, le professeur Moussa Baldé, qui aujourd'hui a changé radicalement le visage de l'agriculture dans la zone sud. Il y a de cela quelques années, Molo l'a dit, il n'avait aucun matériel. Il utilisait les ânes et les outils rudimentaires pour travailler ses parcelles. Et même la récolte s'est allée dans le temps, parce que faute de matériel agricole. Mais depuis presque quelques années, 2 ans ou 3 ans, nous avons vu le nombre de matériel qui s'est amélioré dans son exploitation. Déjà avec l'octroi d'un tracteur là, avec des offsets, des outils de travail de sol. Également, nous avons vu des égrineurs pour le maïs, on l'a constaté. Pour le riz, il a une batteuse. Donc ça, c'est important pour nous. Étant donné que sa forte production aujourd'hui, s'il n'avait pas bénéficié de tout ce matériel agricole, il ne pourra pas récolter à temps, mais aussi transformer le produit et procéder à la mise en sac. Donc nous saluons vraiment l'effort que le ministre a fait pour cette zone, pour aujourd'hui aller vers la mécanisation totale avec toutes les chaînes, avec toute la chaîne de matériel possible pour renforcer les exploitations agricoles. Et j'en suis sûr aujourd'hui, beaucoup de Molo Kandé seront dans la zone, parce que c'est eux qui peuvent porter le développement agricole. Donc on se réjouit vraiment de ces performances, mais également remercier l'équipe technique de la Sodagri qui est sur place. L'antenne de Kolda, managée par l'ingénieur agronome Abdoulaye Daf, et également ses équipes techniques, les Sanasane, les Toumani et tous les conseils agricoles qui ont contribué aujourd'hui à la belle réussite de Molo Kandé, parce qu'il a été bien encadré. Ses parcelles ont été très bien suivies. Et même les opérations de post-récolte sont suivies par l'équipe technique de Kolda. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui ici. Voir de visu l'impact du matériel agricole sur la production. Et ça, c'est important. Nous demandons au ministre vraiment d'augmenter encore davantage cette mécanisation pour les producteurs pilotes, mais également pour toutes les exploitations agricoles familiales de cette zone que la Sodagri encadre.